للجبل بحجروا يخلوا شانك يطيح حرة وما نخلوا يتزايل قلبك جريح شمسك أمال أوتور كومبوزيتور إنتربريت. J'ai 35 ans, j'habite à Alger et je viens de la région de Cherchette. J'avais manifesté mon mécontentement et mon indignement face au cinquième mandat bien avant. J'avais posté le 14 février sur mes réseaux sociaux non au mandat de la honte. Donc déjà en pleine ébullition contre Radbabzef, et puis l'appel du 22 février était quelque chose de naturel pour moi, de le rejoindre d'une façon très naturelle et spontanée et d'une façon consciente, complète en tant que citoyenne algérienne consciente de l'enjeu et du danger de la dérive les cantres halés à Jazair. Là, عمري ما كنت منخرطة في جمعيات ولا منظمات ولكن كان عندي un apport personnel en tant que citoyenne. يعني j'étais actif, je participais à des manifestations, par exemple en 2011, par exemple pour la marche qui était à Bjaïa pour soutenir Touati Sahafi qui était à l'époque شاركت ايضا في عده des spectacles, je veux dire des concerts pour les droits des femmes. Donc j'étais très active à ma façon, sans forcément être impliquée avec un parti politique ou la jamaïa. Là, انا العائلة تاعي عائلة حركية. يعني الحمد لله جدا ايضا من عائلة ثورية. يعني الجد تاعي الله يرحمه شهيد و كبرت بهذيك النبرة تاع الحق وتاع تاع التغيير بالتضحية. كان ما نكونوش يعني citoyen actif, ما نقدروش نساهموا في التغيير. وفهمت j'ai compris très très jeune que si on ne fait pas de politique ou là on s'implique pas politiquement, on subit la politique des autres. Effectivement, sur le plan légal, sur la législation, il y a le code de la famille qui réduit la femme au statut de mineure à vie. Et donc là, oui, il y a ségrégation entre les genres. Et justement, l'état de droit, normalement, l'état de droit ne permet pas aux inégalités. Donc l'état de droit, les chouf ou ana, ou l'état, les yihmi hukouk al-mouatinin bisifa kamila, que ce soit rijal ou al-anissa, moutsawin fil hukouk al-wajibat. Et le code de la famille n'a pas de place dans un état de droit. Quand j'ai posté contre le cinquième mandat, il y a une personne qui est venue me voir et qui m'a dit « Pourquoi tu t'impliques ?»« Pourquoi tu t'écris comme ça ?»« Fais attention parce que voilà, c'est dangereux pour chaque jour. »« Je vais le remettre deux fois, mais ne t'implique pas trop. Voilà. » Donc j'ai reçu le message juste avant le Hirak. Et puis la même personne est venue me voir la veille du Hirak pour me dire « Est-ce que tu vas sortir demain ou pas ?» Ah oui, je vais sortir et je vais assumer. Je vais sortir et je vais assumer. Et puis le 22, je suis effectivement sortie et j'ai même posté mes photos. Qui a le Hirak زاد دار القطيعة يعني لأنه كما نعرفوا في الأوقات السياسية الكبيرة دائما يعني النظام يستعمل المهرجانات ولا يستعمل المظاهرات الفنية pour instrumentaliser la cause ديالو اللي هي la propagande. Donc كي جا le 22 février j'étais décidée de ne plus monter sur scène sous l'égide parce que tout simplement je ne voulais pas me retrouver avec un discours politique que je refuse et que je trouve légitime, on met un entlac, c'est-à-dire quelque part on va utiliser mon image pour cette propagande alors que je suis dans le Hirak. Donc la démarche n'est pas très sincère et très radicale comme je le voulais. Donc j'ai refusé toutes les dates. Non, Anna, je suis contre le non-momentisme. هو القانون الذي يحمي الجميع بما فيه حقوق النساء بما فيه الأقليات بما فيه الحريات الشخصية. Donc ça englobe tout ça. Donc normalement si on a bien compris pourquoi on fait ce combat qui est oui contre
contre le système en place. Oui, bien sûr qu'on est là contre le système en place, mais en même temps contre tous les mécanismes que ce système a laissé pendant des années. Donc, le droit des femmes a toujours été bafoué pendant toutes ces années. On s'est sorti de la révolution et de la وجابوا مع مع خاوتهم رجال الاستقلال ونهار جابوا الاستقلال وقالوا ما عاودوا يولوا الكوزينه وي كاين ديكا ايزولي جو ديري لي جوغ بون انا جي جيتي با لا لو جور هذاك مي جي فو سو كي سي باسي سور سور لي ريزو سوسيو جو مي سوي ميم برونونسي جي بري لا ديفونس دو كاري فيمينيست باسكو تو سامبلومون سو ني با نورمال كون لي اتاك سو ني با نورمال كو حنا رانا في ان تايمينغ وين اون ريفانديك ليتا دو دووا et des libertés où on revendique les droits و انت تجي تتعدى على 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 امراه اللي راهي طالب بحقها وعلاش دونك وي يا او سو جور دو ديباسمون il faut le souligner il faut pas le cacher pour faire joli il y a eu des dépassements donc هذاك j'avais pris ce jour-là j'avais fait un post Facebook sur ce qui s'est passé et puis j'ai eu beaucoup de remarques négatives du genre c'est pas le moment de parler de ça ou علاش علاش راكم تهضروا هكذا vous allez diviser le hira لا للعنف سيتي سا شغل السلوغان تاع المسيره السلميه وثوره الابتسامه سلميه سلميه دونك ماشي سلميه كيما تحب انت دونك جو نو كومبرون با بوركوا لي جون سو سونت اغريسي كونت لي فام دوموند لور دووا دو مومون او اون اي بور ان ايتا دو دووا Maintenant, pour revenir au mujtama, oui, nous avons une société patriarcale, le mujtama dhukuri. Qui sont des fois très difficiles contre la femme, les ferment des préjugés contre la femme. Où ils disent que le mujtama a le rôle de la femme. Peut-être fait évoluer sa place en tant que. En tant que femme active, en tant que citoyenne qui contribue de façon active, tout comme l'homme, pour son pays. Et je pense que automatiquement le Hirak a dû. Le Hirak aujourd'hui, il est conscient que la femme est une partie intégrante du pays et du Hirak et que c'est une partie importante qu'elle doit retrouver sa place. Le fait de savoir réapproprier l'espace public, d'avoir été là pour tous les rendez-vous, ça veut dire qu'on est là et qu'on continuera à être là. Et le Hirak, justement, doit prendre en considération le makana ta'al mar'a. Avant tout, c'est une participation citoyenne. C'est-à-dire, mar'a ou la rajil, on avait le même rôle. C'est-à-dire, kharjna min ajl taghyir nidam, kharjna min ajl al watan. Donc, le sexe n'est pas très important dans cette histoire. Yani, quand on comprend bien l'engagement citoyen et l'engagement en politique. Je peux avoir une lecture comme celle du pacifisme, qui a fait que le fait qu'il y ait beaucoup de femmes, des enfants et tout, ça a peut-être permis à ce que le mouvement soit un peu... qu'on puisse garder le pacifisme du mouvement. C'est une lecture, hein? C'est une lecture. Je ne vais pas dire que c'est exactement ça, mais ça a permis un certain apaisement. Allez, un certain apaisement. Moudjahidat Mokhtar Ilham, c'est un repère historique. C'est des femmes qui ont marqué l'histoire de l'Algérie, des combattantes qui ont sacrifié leur vie. C'est l'histoire de l'Algérie au féminin. Donc, justement, elle témoigne du rôle important et impactant des femmes depuis la nuit des temps, je dirais depuis Dehiya. Elles ne peuvent qu'être un modèle pour nous, femmes d'aujourd'hui, pour continuer le combat de ces femmes qui se sont justement sacrifiées pour la patrie et qui aujourd'hui sont actives dans le mouvement du Hirak. Et nous avons besoin de ce genre de repères dans notre société ou là dans notre pays parce que ça nous rappelle à l'ordre. Ça nous rappelle que les femmes sont là, que les femmes ont aussi donné de leur sang et de leur militantisme. Elles ont sacrifié pour l'Algérie, donc elles sont là.
Donc oui, c'est une continuité parce qu'elles elles se sont battues pour l'indépendance de l'Algérie et aujourd'hui, on continue le combat pour la liberté de l'Algérie et pour l'état de droit et des libertés. Les marches, je veux dire, on ne m'a pas arrêtée, je n'ai pas, j'ai pas été arrêtée, mais j'ai subi ce que tous les manifestants ont subi quand il y avait de lacrymogène. Donc c'est un terrib ou un ulf. Le fait de jeter de l'eau hakdak ou de jeter de lacrymo, ça reste de la violence. On n'oublie pas que les femmes sont aussi une partie intégrante de ce combat et elles sont là, elles militent pour l'Algérie, elles militent contre ce système et aussi elles militent pour que la femme soit une citoyenne complète à part entière et respectée et ayant tous ses droits dans cet état de droit qu'on revendique. Le Hirak, il continue, il est passé par différentes étapes. Il y a eu le pic, la redescente, c'est normal, il y a eu la pandémie, il y a eu plein de... Il y a eu l'Hakam Ta'a Soufia, Soujana Ar-Ra'i ou Soujana Siyasiyin. Donc c'est tout à fait normal que la courbe fasse ça. Mais je ne dis pas que le Hirak Manjah, je ne veux pas donner ce bilan. Je dis que le Hirak est passé par des moments difficiles. Il a peut-être, je ne dirais pas peut-être, il a eu peur de la représentation parce qu'il a été trahi dans le passé. Parce qu'il a reçu des expériences antérieures qui ont fait que شخصيات ربما اللي برزت ما كانتش في المستوى. Mais maintenant, je dis que il faut passer par une période de transition. انا كيفاش نشوفها, c'est-à-dire que ما نقدروش كاع نتفقوا على شخصيه هكذا لانه في الحراك عندنا ديفيرونت ايديولوجي, عندنا ديفيرونت بونسي, توجهات سياسيه مختلفه. دونك حنا je pense que ce qui nous a fait du mal, c'est qu'on n'a pas pu Le pouvoir en place n'a pas laissé la transition se faire parce que c'est normal, c'est un bras de fer, il est là, ou il ne veut pas partir, ou non, on veut qu'il parte, donc c'est du corps à corps. Maintenant, je pense qu'on est arrivé à un moment où on doit arracher cette transition. Il y a eu des collectifs qui sont nés, il y a eu des plateformes, il y a plusieurs collectifs qui sont nés. Melhirak et qui active politiquement, c'est-à-dire pour dire que Sahab Melhirak kharjou برك في les manifestations ou ils ont pas fait un travail, ma khlawhomch kant kayna el mubadara hadik ta 22 ma taoulhomch ma khlawhomch ils se réunissent في les salles. Donc le pouvoir en place fait tout pour verrouiller toute possibilité de transition. Alors, la première chose à faire, ça serait de libérer les médias, libérer la justice. خروج سجناء كامل الرأي وسجناء السياسيين et puis permettre justement est-ce qu'on s'organise pour pouvoir mais s'organiser sereinement. ماشي فهاديك لا بريسيون تاع tout de suite il faut un représentant, c'est pas possible. Et je pense qu'aujourd'hui par contre, au jour d'aujourd'hui, parce que la rue a cessé parce qu'il y a eu la pandémie, ce qui est très très conscient de la part du Hirak qui s'est retiré وحده قبل ما يقول قبل ما النظام يصدر اي قرارات ولا قبل ما يتغلقوا les frontières. Le Hirak a pris la décision de ne plus sortir dans la rue pour la santé publique et pour la santé des citoyens. Donc هنا نفهموا ان عندنا حراك واعي. لكن au jour d'aujourd'hui, je pense qu'on doit passer à la vitesse supérieure et je sais pas comment. Je n'ai pas des réponses politiques à vous donner, mais je pense que la rue va revenir tôt ou tard, parce que c'est comme ça. Ça sera le chapitre 2 du Hirak et je me dis que ça va mettre une autre pression. Et à côté, je pense qu'on doit se concerter, on doit s'organiser sur ce qu'on veut de cette Algérie et dire sincèrement « j'en ai habbin ». Donc, « ana kifash nchoufha » parce qu'on s'est dit « ana kifash nchoufha » et on s'est dit « ana kifash nchoufha » C'est-à-dire la transition, on doit faire des préalables, par exemple. C'est-à-dire baliser sur les grandes questions de l'Algérie, état de droit et des libertés, que ce soit l'égalité des droits, les libertés individuelles, la justice indépendante, la séparation des pouvoirs. Voilà, il y a des pôles très importants. On se concerte ferme. Ou on les met dans des préalables
ونقدروا نمشوا ابري بوتيتر ان بروغرام كي ريبرون لي ريفونديكاسيون دو حراك دونك اون فا ديفوندر الافكار ماش ندف اون فا با ديفوندر الشخصيات مي ا مومون دوني يورا سيرتينمون دي بيرسوناليتي كي فون ايمرجي كي سون دو حراك اي بوركوا با لي سويفر ما كنت فاهموا على هذه الجزائر الجزائر بلد الحق والحريات كنت فاهموا عليها سانسيرمون افيك ان ديسكور سانسير بدون نفاق سياسي بدون شعبويه ان تريتون توت لي كاستيون difficile hein que ça soit l'égalité des femmes la liberté du culte la liberté du de la conscience que la politique que la religion ne s'immisce plus dans la politique يعني المدنيه الحقيقيه يعني القوانين الوضعيه خلاص l'implication de la religion dans la politique et quand qui نحميو كاع هاد هاد لي بريالابل نقدروا je pense que نقدروا نمشوا et à un moment donné oui il va y avoir des personnalités qui vont représenter des projets politiques et là on peut faire cette transition mais bon la rue aussi doit revenir il y a eu une grande plutôt il y a eu un grand travail sur la conscience politique عند الشباب يعني on s'est réapproprié la politique parce que حنا بكري كانوا يقولوا لنا اختك من البوليتيك c'est-à-dire qu'on a on a donné une très mauvaise image à la politique ce qui est normal par rapport à tout ce qui s'est passé tout ce qui se passe يعني les comportements les politiques en place d'ailleurs c'est là aussi pourquoi on a eu le problème تاع la représentativité ou تاع l'organisation parce que خلاص on a perdu confiance والحراك جا عاود رجع la définition noble de la politique. D'ailleurs, je citerai, smhéli, l'impact des étudiants dans ce mouvement populaire. C'était un déclencheur. C'est-à-dire, le mardi, il donnait des réponses, ou le vendredi, Kennedy Kummel. Donc, vraiment, c'était un moteur. Les étudiants ont été vraiment un moteur dans cette révolution. نظام ديمقراطي بصح لازم نكونوا متفاهمين على شنو هي الديمقراطيه تاع الصندوق وحدها نو الديمقراطيه التي تحمي الاقليات وصح هي تجيب الصندوق بصح تجي باحترام مبادئ الديمقراطيه اللي لازم نتفاهموا عليهم من الدرك وشنو هي الديمقراطيه اللي تحفظ الاقليات وتحفظ الحريات وتحفظ جميع الحقوق دونك انا كيفاش نشوفها نشوف بليك لازم نديروا دي بريالابل لازم نتفاهموا على ورق على مسوده على ورقه نسينيو عليها امباكت نسينيو عليها وشنو هي الديمقراطيه اللي انا حابينها يعني الديمقراطيه التي تفصل الدين عن السياسه عن الديمقراطيه التي تحمي الاقليات الديمقراطيه التي تحمي الحقوق الفرديه الديمقراطيه التي تمنح حريه المعتقد حريه الضمير الديمقراطيه التي تحترم حقوق الانسان الديمقراطيه التي تحترم الاختلافات والديمقراطيه التي تحمي حقوق النساء وتاتي بعدل كامل ومساواه حقيقيه بين المواطنين نساء ورجال ابري لو بروسيس نتاع الديمقراطيه في الصندوق حاجه باينه بلي المشروع اللي حصلتوا عليه الناس اكثر بشفافيه كي نقول المشروع نقولوا على يعني كي نلحقوا البريزيدونسيال ولا نلحقوا نقدروا نوفروا un vrai environnement pour de vraies élections تما يبرزوا فيها شخصيات حقيقه وبصح نحترموا لو باكت اللي تفاهمنا عليه صادير ميم انت تطلع tu n'es pas d'accord avec ça tu vas respecter ce que c'est la démocratie ماشي تطلع لي الديمقراطيه وتقول لي غدوه ديمقراطيه كفر non on veut plus de ça on veut plus de des années 90 وبالعقليه تاع نطلع بالصندوق ومن بعد نقلب الهضره non donc voilà c'est ça la démocratie pour moi ce qui doit ça doit venir des algériennes Ça doit venir de l'Algérie. C'est-à-dire, nous devons changer. Nous ne devons pas la communauté internationale ou que quelqu'un vienne nous dire comment faire. Je pense que le vrai changement doit émerger des Algériennes et on a un grand travail à faire. Avant tout, on doit se parler sincèrement de l'avenir de notre statut social en Algérie, sans haine, sans préjugés. Comment on va défendre la valeur qui est celle de l'égalité et du droit fondamental. Anna, j'ai participé par exemple à l'ONU pour
pour le 8 mars, c'était pour Jazaïriyat en mouvement, donc Algériennes en mouvement, et j'avais donné à l'époque un concert à Ibn Zaydoun en faveur des droits de la femme, et c'était une action par exemple qui était organisée ici en Algérie pour justement parler des droits de la femme. Donc, on est en plein process et les femmes qui marocaines ont été très, très présentes dans ce mouvement, et je pense que ça va l'être de plus en plus. L'implication de la femme va chambouler l'avenir politique. Et je vois de magnifiques femmes s'exprimer, prendre la parole en public. Nous avons parlé de la expérience de Tiana, où nous avons rencontré les artistes dans les marches de Tiana. Il y avait beaucoup de femmes brillantes qui prenaient la parole et qui étaient juste admirables. C'est-à-dire que la femme a fait son rôle. فرضت روحها كمواطنة، فرضت روحها كمناضلة، فرضت روحها كفرد كامل وواعي في هذه الثورة السلمية، وإن شاء الله نشوفوا يعني المشاركة القوية تاع المرأة في السياسة. وفيت لو دوزيام فوندردي شفت بلي درنا اون بياس تياترال في لا غروند بوست ديدي وحرك، اي في grande mobilisation, les gens ont fait, il y avait des comédiens qui ont participé, des artistes, et aussi ça a permis à l'art de se réapproprier aussi l'espace public, les houels, le majra, le tabéri, le charé. Le charé, il y a un fun. Le fun, il y a aussi dans le charé, où il se réapproprie le tarikh dialo, l'histoire tao. Donc, le fait d'avoir organisé ces petites manifestations artistiques, ça a donné aussi un sens à l'art, parce que l'art c'est aussi un moteur pour le changement, c'est un outil pour faire passer des messages, pour titiller les esprits, pour faire bouger les codes. Donc le fun c'est pas juste pour le divertissement, même si le divertissement a le droit d'exister, mais je pense que le rôle de l'art est plus grand et son impact aussi. Et je pense que le fait qu'il y ait eu des manifestations artistiques, ça a redonné la place, la vraie place de l'art dans la société et dans ce qu'on vit aujourd'hui comme événement historique. Al-Hirak fait trois kalimat. Al-Hirak, قوة. Al-Hirak, masar. الحراك تحقيق ذوي القانون والعدل والحريات.